Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce 23e épisode. Et oui, déjà 23e, hein. Il y a beaucoup d'épisodes par rapport à l'autre let's play que j'avais fait. Donc nous sommes toujours sur The Legend of Zelda Oracle of Age, hein, bien sûr. Donc là, on se dirige vers l'île Monocle apparemment. Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il faut que j'aille dans le passé. On va aller dans le passé, hein. Pas s'embêter, on va y aller. Est-ce que c'est ouvert là? C'est toujours quoi? Ah non, là il faut l'ouvrir ici. Donc là apparemment il faut un grappin. Qu'est-ce que c'est? Je veux bien, mais elle est où la poudre de fée? Je ne sais pas où est la poudre fée. Fée. Oula, c'est parce que je me suis fait toucher par le machin. Par contre, ouais, non, on va repartir dans le passé. J'aurais dû pour voir si le chez les auras quand même dans le passé. Oui, je sais, je suis mal en point. Je vais peut-être mourir. Ça sonne. C'est pas la première fois, vous inquiétez pas. Je sais, on va aller voir. Hop, le. Je vais tous leur parler. Hop. D'accord, il y aura plus de roi, donc on va aller hop essayer de le sauver. Voilà, on va lui donner la seule potion que j'avais. D'accord, donc là j'ai fait une bourde. Donc il m'en veut un peu. Mais on va hop retourner dans le. Je peux pas monter, je crois. Hop. Est-ce que je peux monter là? Non, je peux toujours pas monter de dessous l'eau. Hop, on va retourner en arrière alors. Voilà. On va remonter ici et on va aller revoir le roi parce que je l'ai sauvé. J'ai utilisé une potion, la seule potion que j'avais. Sinon la seule qui peut m'en donner, je crois que c'est Sirup, la sorcière bien sûr. Ah, là par contre j'y ai pas du tout de cœur. Elle me fait toucher en plus. Hop. Là, je suis dans le présent, le roi est là. Oui, j'accepte. Donc voilà. Voilà, il faut que j'aille à la bibliothèque enfin. Ça veut dire qu'ils sont instruits ici, par contre. On va mettre ça en A. On va changer, on va mettre ça en. Voilà, c'est mieux. Allez, on se dirige vers la bibliothèque encore une fois.
encore une fois, mais sans remonter. Hop. Donc on retourne cette fois-ci dans le passé. Et oui, parce que... je ne peux ouvrir que la bibliothèque dans le passé. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de... Il faut un livre. Bon, par contre, vous n'avez pas de... j'ai pas de... de jarre avec des cœurs dedans. Parce que je suis un peu en mal en point. Ah si. Là, ça y est, je me souviens ce qu'il faut faire. Hop, faut... hop. Ouais, mais j'y place quoi comme livre? Ils sont gentils. J'ai pas de livre, moi. Ah si, ça y est, je crois savoir où est le livre. Si, je n'ai pas oublié. Hop, je vais me téléporter. Je sais pas si je pourrais revenir ici rapidement. Bon là, je vais essayer de trouver une solution pour enlever ce bruit immonde. Je vais creuser un peu. Hop, voilà. Non, ça c'est toujours pas bon. Encore un ou deux. Ah bah il nous fait, c'est très bien. Je crois que me souvenir qu'il y avait une maison où je pouvais faire tomber justement un... c'est pas ici, c'est peut-être en dessous. Non, c'est pas en dessous non plus. Je pouvais faire tomber justement un peu... un truc d'une étagère. Je sais pas si c'était dans ce Zelda là ou un autre. Je confonds peut-être avec un autre que j'avais fait. Hein. Je teste. Hein. Il demande un livre décelé, mais je sais pas où il est du tout. En plus, ils me disent pas où il est. Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux me téléporter cette fois-ci vers les auras? Est-ce que je peux me rapprocher, hein, tout au moins? Est-ce que c'est celui-ci? Ah, c'est le village aura, ok. Ah, il y a un... d'accord, il y a un truc ici. D'accord. Ah, mais oui! Suis-je bête? Vu que j'ai ouvert la porte dans le passé, je peux aller dans le... présent. Oh, débile que je suis. Non, c'est le contraire que je veux faire. Voilà. C'est pour le cas où. Hop. Vous voyez tout ce qu'il faut faire, tout se rappeler, tout ce... et puis se taper contre le machin. Voilà. Je comprends pourquoi je m'en souviens plus. Ah, voilà. Tac. Voilà, c'est plus les mêmes qui... gère le truc, donc je pense qu'ils doivent savoir un peu plus de choses. Normal, c'est peut-être moi qui l'a pris dans le passé pour le mettre dans le présent.
là, il y a un sage. Voilà, le livre des scellés. Et on va donc repartir dans le passé. C'est super. C'est super. Voilà. Je comprends encore et toujours pourquoi j'ai oublié ce jeu. Voilà, le livre des scellés. Hop. Voilà, pour pas faire de bourde. Voilà. Donc, combien? 4 de 2. Donc là, ça vous indique où il faut aller. Donc, 4 sur le côté. Hop. On va utiliser la... On va tricher, on va utiliser la carte. 1, 2, 3, 1. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Ici. Après, c'était quoi? C'était en 2 en haut et 2 en... Donc ici, donc en fait ça compte à partir d'ici. Donc ici 1, 2, 3, 4. 2 en haut. 1, 2. Ça doit être 2 sur le côté, donc en fait. Ah oui, d'accord. Oula, oula. 2 en haut, 1 à gauche, 2 en haut, 1 à droite, 1 en haut. D'accord. 2 en haut. À gauche. 2 en haut. Ok. C'est bon. Et il y a ici après, je crois. Juste au-dessus. Voilà. 2 à gauche, en haut. Et 3 à gauche. 2 à gauche. 1 en haut. Et 3 à gauche. 1, 2, 3. Ok. 1 en bas. 3 à gauche. 1 en haut. Et 3 à gauche. Donc bas. 1, 2, 3. Après ici. 1, 2, 3. Oula, là il y en a un peu plus. 1 en bas. 1 à droite. 2 en bas. 2 à gauche. Et 3 en bas. Et à droite. Ok, après c'est par là. Ok. Et après c'est 3 en bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on a la canne qui nous aide. Ouh, là, là c'est un peu plus gros, donc 1 à gauche, en bas. À gauche, à droite. À droite, en bas, à droite, en haut, à droite, en haut, à droite. D'accord. À droite, en bas, à droite. Je crois que c'est encore en bas, non, c'est en haut. Voilà. Voilà, il nous ramène à l'entrée. On a enfin la poudre. Je sais, c'est assez long. Donc là, nous allons voir la fée qui est juste à côté. C'est sympa, au moins, elle est juste à côté. Vous n'avez pas à aller à 3... Je voulais prendre... Je voulais pas sauter. Pourquoi il a sauté alors que j'avais pris le grappin? Alors, où le jeu croit encore qu'il a le machin, je sais pas. Alors, ce qui me fait marrer, ça me fait penser un peu aux personnages non-joueurs, donc PNJ, dans les MMORPG, hein, célèbres, où les personnages, ils vous disent... tu peux aller me chercher un truc alors qu'il est à 2 mètres de lui. C'est la même chose là. C'est va me chercher la poudre de fée alors qu'elle est dans la bibliothèque à côté. Elle aurait pu aller le creux entre
entre les deux petites îles est pas très grand, elle peut sauter, hein, même si c'est un monstre qui bondit pas, peut tenter de trouver un autre moyen. Hein. Donc là, elle purifie les eaux, ça voudra dire qu'on pourra enfin, je crois, passer partout. On pourra se déplacer, on peut se déplacer maintenant. Oh, c'est un peu long quand même, cette cinématique de changement des eaux, hein, on a compris que c'était le moment où on changeait tout. Hop. Bah là, je vais pouvoir aller dans le présent pour aller voir Jabu Jabu. Je sais pas si... Hop. Donc là, pour l'instant, Jabu Jabu, il est... Là, il était petit, donc c'était un petit poisson. C'est un, bon, on va dire un gros poisson. Donc là, vous voyez, je peux passer tranquillement sous les eaux. Donc là, on va quand même aller parler au roi pour lui dire, voilà, j'ai sauvé les machins. Tu peux me donner le passage pour Jabu Jabu. Je peux aller le voir, ok. Il va pouvoir m'avaler. On va pouvoir se venger de ce jeu maudit. Non, je rigole. Il est pas maudit, il est juste un peu dur. Pour certains trucs. La preuve, nous avons plus de... Oula. Voilà, donc... Ventre, Jabu Jabu. C'est le seul donjon qui a un nom de poisson. Donc par contre là, on va changer. Pour une fois, je vais pas avoir l'épée en B. Hop, oula. Là par contre. Donc là je peux. Ah en fait non. Là je peux passer. Je crois qu'après je peux retirer l'eau. Je crois que je me souviens. C'est le seul niveau où on peut retirer de l'eau. Justement. Là c'est plus tard, je crois que là je... Il est en deux. Il est en deux parties. Alors il y a des lit-clics sous l'eau, c'est rigolo. Ah tiens. Là je sais pas par contre ce qu'on récupère comme objet. Alors là, bien sûr, va falloir utiliser le grappin. Grappin qu'on peut mettre que en A bien sûr. Quand vous avez une arme. Oh. Qu'est-ce que c'est ce... Ah non, là on peut pas l'avoir. Ah, je pense que c'est pas maintenant. Ah là pour l'instant on peut rien faire. Hein. Quand on est sous l'eau et qu'on a... On est comme ça, hop, on peut pas. On peut que descendre les passages. Aller de... Donc là par contre je vais prendre l'épée, aller de... Niveau... De... Ouais, de niveau en niveau. Hop, on passe ici. Je vais garder en A, comme ça je me tromperai pas. Donc là on va prendre le grappin, on le met en B. Trop loin ? Encore. Que je peux faire un saut et après tirer. Non. C'est pas possible. Non. Bon. Tuer le poisson. On va noyer le poisson. On va passer. Bah, apparemment on peut pas passer. Hein. Bon, je vais retourner en arrière. Il doit y avoir un truc à faire. C'est peut-être ce que je pense. Je crois qu'on va passer. Ah oui, voyez-vous. Bah, si vous avez fait attention, le grappin il est level 1.
Donc ça voudra dire qu'on va passer au grappin level 2. Quand je dis grappin level 2, ça veut dire qu'il ira beaucoup plus loin en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Non. C'est pas par là, j'en viens de par là. Est-ce que j'en viens? Je suis passé ici. Ouais, ici je suis passé. Ici je peux pas passer apparemment. Ici est-ce que je suis venu? Oui, je suis venu. Je sais même pas plus par où je suis allé. Ah, donc là c'est l'entrée. Ah, on peut aller par là. Ah, ici j'ai fait déjà. Ah oui, ça c'est une énigme. Ça je me souviens. Hop. Là comme ça. Voilà, il faut mettre. Je crois qu'il faut mettre les trucs devant chaque. Voilà, hop, devant chaque tête, et ça marche. Je suis pas sûr. Si, c'est ça. Et voilà, une clé. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Bon, ça va, on a commencé le donjon, hein. Ne vous inquiétez pas, on est bon, on est bien. On est quand même à plus d'épisodes par rapport à l'autre, mais je crois qu'on est au... C'est au 7ème, oui, 7ème. Il nous restera donc un donjon à faire encore. Plus le boss, donc il va rester encore, je pense, pas mal d'épisodes. Il y aura plus d'épisodes que l'autre, hein. Vous voyez, tellement c'était dur, tellement il y avait des trucs à chercher. Il y a beaucoup plus de trucs à chercher pour aller trouver un nouveau donjon. Et tout souvenir, et tout se souvenir, c'est dur en fait. Donc j'espère que vous allez tenir jusqu'au bout, hein. Du moins je vous avais tenu jusque là parce que quand même des moments où c'était un peu dur à faire, où il fallait que je revienne, reparte, revienne, mais bon, j'espère que ça vous plaît au moins, hein. De toute façon vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me dérange pas si ça vous plaît pas, hein. De toute façon au bout d'un moment je change et bon, de toute façon pour l'instant je vous ai peut-être dit depuis, je ne sais pas, ce qu'il faut savoir c'est que je tourne les let's play quelques mois à l'avance, donc je vous ai peut-être fait une autre annonce d'ici là, donc tout dépendra de quand le let's play est sorti. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.